Salut à tous, et donc je suis sûr que vous attendiez tout cet épisode avec impatience, parce que cette fois, on va s'attaquer à la forteresse du vent. Donc la fois, on avait traversé tous les marais de Tamanta et les ruines du vent, on avait récupéré l'arc, donc qui est ici. Et cette fois, donc on attaque la forteresse du vent, et vous voyez, on a des sortes de... C'est de la terre, ou je sais pas, c'est des murs. Mais on peut rien y faire, pour l'instant. J'ai l'impression que les ruines sont ensevelies sous la roche. Ça doit être bourré de pièges, regarde bien où tu mets les pieds, Vixion. Ok. On va essayer de faire gaffe. Normalement, on devrait avoir une nouvelle arme ici. Oh putain, attendez, les squelettes. Préfère les faire comme ça. Ils sont gros, ils vous sautent dessus sinon. Au pire, vous savez quoi? Le squelette là-bas, on s'en fout. Les deux en même temps, ça va pas être facile. Bon, tant pis. On s'en est sorti quand même. Je vais vite fait éliminer lui. Et ok, bon, je coupe mon téléphone. Autant pour moi. J'avais déjà oublié, attendez. Voilà. Cette fois, tout est prêt. Mince. Ah, j'ai fait l'imbécile. Hop là. Alors, quand on dit que c'est bourré de pièges... Non? Ok, ces deux portes sont normales. Ok, bah normalement, en fait, c'est des fois, vous verrez. Il y a des portes qui vont nous tomber dessus. Donc, la carte du donjon, ok. Alors, on la regarde vite fait, cette carte. Donc on est rentré par ici. Ah oui, il est quand même assez grand le donjon. On va voir. Peut-être que du coup ça sera en deux épisodes. Je sais pas. On verra bien. On est arrivé par là ou? Mince, on est arrivé par là. Non, il faut qu'on ressorte. Ok. Donc ici, il faut que j'emmène ça. Parce que vous voyez, il est coincé justement au niveau de la... Avec la terre là, et je peux rien faire. Ici, je peux rien faire non plus. Tout est coincé. Vous en doutez, on aura une nouvelle arme qui permettra de creuser. Et du coup, avec cette arme pour creuser, je pourrais faire pas mal d'années que j'aurai accès à, vous savez, toutes les sortes de grottes que j'ai dit, les bombes qui ne marchent pas dedans. Et bien, en gros, c'est pour ça, c'est parce qu'il faut creuser à l'intérieur. Je vais récupérer le boomerang. Il nous serait quand même vachement utile. Ah mince, oui. Pff, justement, c'est pour ça qu'il nous serait vachement utile. En gros, on détruit les sortes de trucs écrits qu'on peut. On peut pas les taper autrement. Non, reviens là, la fée. Voilà. On peut pas les taper autrement qu'au boomerang, et qu'on les tape au boomerang, ça devient des fées. Donc voilà, donc celle-là, je la mets dans un pot. Et les autres fées, bah, nous serviront à nous régénérer. Donc là, on peut devenir un petit, on a vu qu'il y avait un quart de cœur. Toi, on te laisse pas le temps. Un fragment ici. On tire ça. Bon, un autre fragment, ok. Bon voilà, donc il y a un petit épisode, ça va être assez cool. Je sais pas du coup, je me rappelle plus trop de ce temple. Enfin, c'est pas une... Enfin, oui, si, c'est le temple, hein. Tu sais, celui-là, il y a le prochain élément. Vous verrez. Lui. Est-ce que je peux l'avoir comme... Mince. Je peux l'avoir comme ça. Oui, je peux l'avoir comme ça. Alors, le bonbon, il est quand même pratique, hein. Puisqu'en fait, en étourdissant les ennemis, du coup, ils peuvent pas vous... Enfin, se protéger. Bon là, c'est pareil, il y a encore un coffre qui est caché. Enfin, qui est coincé. Oh oui, c'est protégé juste à temps. Bon, j'espère que j'ai pris le bon chemin. Oui, ouais, c'est bon. Ok. Mince. L'écartement. Je crois que c'est... Bah, c'est le maximum, je crois. Alors, on fait ça. Non. On essaie... Ah, mince, je me suis raté. Bon. Je vais le mettre ici, d'où je vais passer le premier à la porte. Comme ça, l'alignement sera bon. Voilà, comme ça moi je suis sûr que le double va me suivre sans se prendre les murs. Voilà, on le fait disparaître. Et on devient petit. Hop, on l'active lui. Alors je crois que contre le boomerang ne doit pas marcher, hein.
Ce serait trop facile sinon. On va faire le test au pire. Ah si, le boomerang marche contre eux. Mais c'est bien en fait. Le boomerang est vraiment utile pour tout. Alors, je vais juste faire un truc avant. Tu n'as pas vu un truc tomber? J'ai pas la berlue tout de même. Non, non. Du coup, voilà. En fait, en gros, on aura de chaque côté... Vous savez, là, il y avait deux portes avec les clés. Mais en gros, de chaque côté, on a un endroit où on peut passer, comme ça. Donc, je vais tomber en mini-niche. Est-ce que je peux récupérer la clé en mini-niche? Non, je peux pas. Bon, tant pis. C'est pas grave, hein. Voilà. C'était juste pour ça que voilà, je suis tombé en mini-niche. Vous savez, on l'avait vu tout à l'heure. Et donc, quart de cœur 2, ok. Alors, par contre... Où c'est que je vais devoir pousser pour passer? J'en ai absolument aucune idée. Je crois que là, je suis censé pousser à un endroit pour pouvoir passer. Ok. Bah, j'ai trouvé. Ok, donc maintenant, on va revenir ici. On récupère la clé. Du coup, je vais pas aller ouvrir une porte tout de suite. Je vais d'abord essayer de récupérer la deuxième clé. Vous voyez, là, c'est le passage principal. Et de ce côté, on a à nouveau une clé qui sera, qui va tomber. Bon, c'est pas un... Voilà, c'est un donjon assez simple, en fait, une fois que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Hop. Hop. Toi, je t'esquive. Toi, je peux pas t'avoir. Ah, le boomerang one shot les chauves-souris, ok, c'est cool. C'est cool à savoir. Alors, quand les crânes tremblent comme ça, mettez des coups d'épée, c'est-à-dire qu'ils vont se jeter sur vous. Oh là, ça sent le combat contre un boss ou une connerie du genre. Enfin, pas un boss, ah non, ok, enfin une mini-salle quoi. Ok, on les a eu. Du coup, il nous manque toujours la boussole par contre. Bon, elle doit être un peu plus loin. Là, c'est pareil. Vous le sentez ou pas le monstre? Voilà. À des kilomètres, j'ai envie de vous dire. Ok. 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 Et ok. Bon, j'arrive pas à avoir la fée, tant pis. Là, c'est pareil, encore un truc activé. Ok, c'est bon, il a sauté au même moment, du coup il est passé devant. Ah oui, alors attendez. Là, il va falloir l'arc. Que je me trompe pas. Je passe ici. Ici et ici. Mince. Je vais la refaire. Voilà. Easy en fait. Ah oui. Faut activer les statues. Oh merde. Ah oui, oh c'est chiant. En gros si j'avance trop, enfin je peux pas avoir l'épée tendue comme ça pendant que j'avance. C'est comme ça non? Ouais. Hop là. Non, t'es du mauvais côté. What? Il y a encore une et c'est fini. Mais bon, je suppose que c'est la boussole. Voilà, bon on a la boussole. Du coup on peut pas... Ah si, on peut repasser là-bas aussi, c'est pareil. Mince, j'ai fait le con. Bon, ça avance à le faire. Il nous manque toujours l'arme du donjon. Et vous en serez sûrement douté, mais à chaque fois qu'on rajoutera un élément à l'épée, en fait, on pourra créer un double supplémentaire.
Ouais, ok, c'est bien. Comme ça. Là, faut que je crée un double ici. Bon, je peux pas rouler quand je suis en double parce que du coup, la touche de la roulade me cancel le double. Je peux pas lancer. Enfin, je peux tirer l'épée. Par contre, je peux pas tirer les autres armes. Ah non, on va te faire tomber la clé. Ok. Bon, on a les deux clés, on pourra avancer dans le temple. Bon, on prend le raccourci, hein. Ok. Deux clés, c'est bon. Alors, je sais plus si on a deux... Alors, on a une nouvelle arme ici, mais je crois qu'on a peut-être même une deuxième. Je sais plus du tout. Bon, on verra bien. Alors. Non, voilà. Les statues ne sont plus là. On va passer d'abord à celle-là. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de passer à celle-là d'abord. Ah oui, alors là, ça va être... Avoir des réflexes. Enfin, des réflexes. Un petit peu, quoi. Le minimum. Je peine, hein. Ah oui, si. Il y a bien un monstre qui est censé m'attaquer, là. En gros, si la main nous chope... Là, on a l'ombre. En gros, c'est notre ombre qui va grandir, voilà. Et si elle nous chope... Elle nous ramène à l'entrée du donjon. Et on n'a pas forcément envie. Mince. Ah oui, je maîtrise plus trop le... La roulade, voilà. Ok, encore un guerrier comme ça. Non, toujours pas. Je préfère prendre mon temps contre eux. Histoire de pas prendre trop de risques, de prendre des coups pour rien. La technique du bouclier comme ça, pour moi c'est la technique la... Peut-être la plus lente, mais la plus efficace. Voilà, et donc là on va avoir une nouvelle arme. Non, un portail qui nous ramène à l'entrée, ok. Okay, ça nous fait déjà un raccourci si on veut quitter le donjon. J'ai l'impression d'être une voiture dans un rond-point. Non, je sais pas si ça le fait qu'à moi ou pas, mais... Alors, bon. Là, faut pas me prendre pour un bleu. Merci. Et donc on a... Et voilà, l'arbre du donjon, les griffes de taupe. Vous allez voir, c'est trop drôle. C'est une de mes armes préférées. Et en gros, voilà, je peux creuser. Vous pouvez le spammer. 100 rubis. Et du coup maintenant on va pouvoir enfin pas mal avancer dans le donjon. Du coup si j'avance de l'autre côté. Vous savez quoi, je vais peut-être revenir en arrière là dans ce donjon. Déjà je vais venir là. Hop. Ok, tout ça pour un fragment. Bon, c'est pas grave le fragment, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais je me suis compris. Ok, ça c'est la porte qui mène au boss. Voilà, bon. Ça, on le devinait assez logique. De toute façon, c'est logique. Je vais revenir à l'entrée. Voilà. Et on va reprendre les autres passages. On va essayer de compléter un peu en fait ce qui nous manquait. Là il y avait le coffre. Ok. Voilà, donc là c'est vraiment pour... Mince. Bon, il va sortir au pire. Non, il sort pas. Ok, donc c'est à moi de rouler vite. Enfin de rouler vite, de faire une roulade rapide. Ok, voilà, il n'y a plus rien de ce côté. On peut descendre. Alors attendez. Parce que voilà, il y a des trucs cachés des fois. Ok, mince. J'allais sortir un peu plus. Là, il y a un truc caché au bout, donc on ira après. On va vite fait finir ici.
Alors ici, je sais plus du tout ce qu'il y avait à faire déjà. Non, j'ai cru qu'il allait sauter pour m'éviter. Ah oui, ici. Alors. Y'a rien ici. Ça permet aussi, vous verrez, à certains endroits de creuser le sol en fait. Ah, c'est un. Ok. Un coffre. Voilà, donc il y a pas mal d'objets cachés avec. Avec les griffes, on pourra avoir vraiment plein d'objets cachés, vous verrez. Ok, là y'a rien. Là il n'y a rien, là c'est un raccourci qui mène à un coffre, ce qui était logique. Sauf que le coffre faut le prendre de face. Mince. Bon tant pis. J'ai pas besoin de le tuer hein, lui, vous inquiétez pas, on va juste avancer. Et là il n'y avait plus rien d'intéressant normalement. Je crois. Je sais plus. On va aller vérifier. Non, là-bas c'était juste un. Pour avoir la boussole. Ici. Ah oui, ici c'était juste aussi. Ça en redescend. Bon. Ok, on va aller vite fait voir le passage à gauche et ensuite on va aller. Ben, on va finir le donjon, hein, vous savez quoi. J'aime bien le boss de ce donjon, vous verrez. Il est assez spécial. Parce qu'en gros, c'est un. Enfin. C'est un boss, faut passer de la forme humaine à la forme miniche. Oula. Oh, des mages. Oh, et les trucs qui tirent des boules en même temps. Bon, les mages, voilà, apparaissent. Non, ça devrait s'éteindre. Nickel. Bon, en gros, les mages. Ok, bon, juste pour ça. Ils apparaissent, attendez, c'est les portes, ils lancent des sorts, sauf que vous pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont apparaître, donc faut avoir des bons réflexes. Bon, là, ils étaient que deux, et ils lançaient leur sort en ligne droite, c'est des flammes. Donc, on aurait le feu aux fesses, par contre. C'est lequel le dernier que j'ai pris? C'était le rouge. Me ramène où? Ah oui, il me ramène aux portes du boss, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Et en gros, il y en a qui tirent des mages de vent, des mages de glace, vous verrez. Ok, il va me falloir les bottes des Pégases. Et voilà. Nickel. Ouf, de justesse, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Oh, quand même. Ça va, oh, j'ai le talent. Alors, par contre, ça va être chiant. Hop, c'est bon, on les a eus. Et donc, on obtient un passage miniche. Je me rappelais plus le passage miniche. On va d'abord aller faire un tour en forme humaine. J'ai envie de dire. Enfin, non, c'est pas qu'on en forme humaine, en taille humaine, pardon. Ah, donc là, il y a un passage miniche, ok. Ça me saute dessus. Et là, ok, il faut une clé. Ah, ok, alors le truc miniche, c'est d'être pour récupérer la clé. Je pense que c'est ça. Mais non, en fait, je suis bête. Non, attendez. J'ai raconté n'importe quoi, moi. Ça sert à quoi le truc miniche, en fait? Attendez. Voilà, je me cache. Ah non, la forme miniche, elle sera pour après. Ok, j'ai compris. Là, c'est pareil. Ah, attendez, je vais les mettre sur lequel. Je prends en bas et en haut. Donc il faut que je mette ici et ici. Ok. Ah non, mais les énigmes commencent à se compliquer un peu. Hein. Enfin, compliqué, c'est une façon de parler. Il y a combien y a alors je vais me mettre sur celle-là, ensuite je monte de 4 et je vais 2 à gauche. Je me mets sur celle-là, je monte de 4 et je vais 2 à gauche. Okay, c'est celle qui est tout en haut là. Tac et tac. Donc là on obtient la clé. Non, ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Je voulais essayer de passer entre les deux mais c'est pas passé. En miniche ça passera, vous verrez. Faudra passer justement en miniche. Ok. Et justement là qu'on a un passage miniche. Et là on revient ici. Ok. Bon, moi je veux pas revenir, je veux le passage miniche. D'ailleurs, il faudra à nouveau les gants de taupe. Les griffes de taupe, pardon, pas les gants de taupe. Allez, maintenant, parcours d'obstacles, vous allez voir.
Déjà, si je parle pas fort, hein, je sais pas, voilà. J'ai ma petite voix. Bon, cet épisode est exceptionnel, hein. Enfin, est exceptionnel. Comment vous dire? Je peux pas me mettre dans les trous, les gens miniches. Mais quand je dis exceptionnel, c'est parce que je ferai pas l'épisode de Zelda et mercredi, là, c'est juste pour cette semaine. Hop, hop. Mince. Oh, ok, voilà. Ok, voilà, je prends des coups gratos, bon, tant pis. J'aurais pas dû roulade comme j'ai fait. D'abord, on passe là, ensuite, on sautera après. Alors. Il doit y avoir un coffre, une clé, enfin, un coffre. Ok, on vient de faire apparaître une clé. Dans celui là-haut. Oui, je prends ça parce que... Mince. J'ai la clé. Je regarde qu'il n'y ait pas autre chose ailleurs. Si on voit les bestioles qui bougent. Enfin, les trucs électriques. Mais il pourrait y avoir des coffres. Ne pas se prendre les mains. Ok, par contre maintenant, les défoncer. Ok. On y est presque, le coffre trouvé là-bas, c'est la clé du boss. Ah oui! Ah ouais, ils sont pas mal leurs pots. Ah, je peux le taper à travers le mur, c'est trop bien. Oui, bon, c'est un peu de la triche. Allez, là on est honnête, on va le taper de face. Je suppose que là c'est la même? Même pas. Là par contre, il doit y en avoir. Non. J'ai bien fait de récupérer la clé d'abord en mini-niche. Faut que je tombe à droite. Ouais, c'est ça. Le mec qui tombe à gauche est déçu. Hein. Enfin, il est déçu. Il doit juste se retaper tout le chemin, quoi. C'est pas grand-chose au final, hein, vous allez me dire. J'étais trop loin. Oui, c'est par là. Je dois en réfléchir où était pareil, où était le boss déjà. Ok. Trompée d'armes. Vous êtes prêts? On va enfin finir ce temple. L'effet, j'en ai deux, mais je vais juste récupérer toute ma vie là. Non. Non, mais t'es pas sérieux. Voilà. Ok. Alors j'aurai besoin des flèches, des griffes et de l'épée. Donc bon, je ferai un changement. Ok, voilà le boss. Donc son point faible c'est ses mains, vous allez voir. Vous dites ses mains mais il a pas de mains, voilà, elles sont là. En gros, faut que je tape dans la boule rose pour désactiver ses mains. Une fois que ses deux mains sont désactivées, sa tête va tomber. Ah non, ok. On prend quand même facilement des dégâts. Hein. Oh, il a réussi à la fermer, vous êtes sérieux? Ok. Donc là, on perd pas de temps. Je prends juste les griffes. Ah, il n'y a pas besoin des griffes pour l'instant. Voilà, il faut taper en fait le bon pilier à l'intérieur. Il faudra le faire trois fois. Il faut faire trois fois le bon pilier. Sachant que à partir d'un certain moment, on aura justement les, enfin, besoin des griffes, si tu y auras de la terre partout autour. Ok, j'ai coincé sa main assez loin. Bon là, il m'aura pas. Ah, je me mets là comme ça je peux. Ah non. Je voulais éviter d'être bloqué par la main.
Donc là faut creuser. Et là faut avoir de la chance. Ok, c'est la première. Je pense que la troisième fois elle sera derrière. Non, je sortirai moi-même. J'aime pas me faire mettre dehors. Bon, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je suis concentré. Ok. Bon, je dis ça, forcément je me prends un coup. Ah! Oh non, ça c'est pute. J'avais complètement oublié le laser qui rétrécissait. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on va le finir là? C'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, l'enfance. Et voilà, on a gagné. Bon voilà, pas un boss trop compliqué. Et on a le réceptacle, vous voyez, mais on a une porte qui s'est ouverte. C'est pas fini en fait le temple. Oh. Et oui, donc on va effectivement avoir une nouvelle arme. Hein. Alors. Nous sommes les Éoliens, le peuple du vent. Nous avons vécu en harmonie avec lui en ces lieux depuis des siècles. Mais nous quittons maintenant la terre pour le ciel avec l'essence du vent. Ok, les mecs se sont barrés de ce temple pour aller dans le ciel et ils ont emmené l'élément avec eux en fait. Noble visiteur, si tu désires nous voir, joue de ce que te confiera le petit roc. Le vent te conduira à nous. Et on obtient donc une nouvelle arme. Donc on a obtenu plein d'armes. L'ocarina du vent. Donc l'ocarina qui permet, enfin qui est un, comment dire, l'arme spécifique à tous les Zelda. Permet de se rendre au calcan des rues en un rien de temps. Alors il n'y a pas d'élément ici. Les éoliens l'ont emmené avec eux quand ils sont partis vivre dans le ciel. On a fait tout ça pour rien. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici, allons-en. On n'a pas trouvé l'élément mais on a des indices. L'ocarina du vent devrait nous ouvrir de nouvelles portes. Allons chercher un autre élément. Et vous allez voir l'ocarina à quoi il sert. Donc on joue l'ocarina. Oui, on est porté par un oiseau. Et on peut se déplacer aux éléments qu'on a déjà du coup visités, j'ai envie de vous dire. Enfin, pas visité mais ouvert. Activé, voilà. C'est donc à ça que sert cet étrange symbole. C'est un point de repère pour le petit roc qui nous a transporté. Appelons ça un symbole du vent. Grâce à l'ocarina du vent, on pourra voyager d'un symbole à l'autre. C'est génial, tu trouves pas? Allez, c'est pas si compliqué que ça. Essaye encore, tu comprendras. Non, j'ai pas envie d'essayer encore. Je sais pas combien de temps on en est, donc je vais me dépêcher. Je vais juste vous montrer à quoi servent les griffes aussi, voilà. Ça permet de rentrer dans les grottes comme ça. Et donc là, j'aurai accès à pas mal d'annexes. Alors là, il y a un coffre. Ok, un nouveau fragment, un nouvel. Là, il n'y a rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les murs qui sont en haut, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en gros, vous vous rappelez les gorons. En gros, faut que je fasse des échanges avec... Enfin, vous allez voir. Faut que je trouve des boutons sur les murs, là, pour faire apparaître les autres. Et ils sont toujours sur les murs du haut. Sauf qu'ils sont que dans les grottes comme ça. Sauf qu'ils sont pas forcément dans les grottes... Enfin... En gros, disons par exemple qu'il y a une quinzaine de grottes et il y a 7 boutons activés. Voilà. Donc il y a plus de grottes que de boutons, donc il n'y a peut-être pas de boutons. Hein. C'est du peut-être. Ok. Mais ça vaut le coup de chercher. Et voilà, les griffes de taupe, j'adore cette arme. Ok, on est ici, on obtient des rubis. Ah, par contre, je suis riche, hein, là, clairement. Ok. Ah ok, là c'est vrai, il va falloir atteindre tous les passages pour pouvoir tirer cela. Ok, autant pour moi. Non, de toute façon je peux pas les atteindre autrement, il faudra que j'atteigne d'un autre côté. Ok, bon on a déjà trouvé un passage ici, il y en aura 3. Ok, maintenant faut que je ressorte par contre. Non, j'étais trop loin. Voilà, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de cette arme, moi je la trouve trop drôle. Allez, je la trouve juste géniale. Bon, par contre, voilà, je spam tellement en fait que du coup il s'arrête pas avant d'avoir atteint un mur. Et on ressort. Deuxième petit truc que je veux vous montrer. Je me dépêche, hein. Je me dépêche à finir l'épisode. Ça va être ça. Vous vous rappelez là, les masques, je me dis, j'essaie de les faire tomber. Voilà, et en gros, faut foncer dessus. Et si on les fait tous tomber, on peut faire apparaître des trucs. Voilà. Et voilà.
Bon voilà, je vous ai vite fait montrer. Du coup, vendredi, épisode d'annexe. On fera que de l'annexe, mais vous verrez, on aura plein d'annexes à faire. Ça va être juste génial. On va bien s'amuser, enfin, on va bien s'amuser. On va chercher pas mal de trucs. Et lundi prochain, du coup. Ah, un échange encore, elle. Ou alors, c'est que je l'avais pas réussi la dernière fois. Ah, par contre, maintenant, vu le nombre de fragments que j'ai, ça va aller. C'est où ça déjà? Ah, c'est la ferme Lonlon, ça, non? Ouais, c'est ça. Ferme Lonlon. C'est pareil, je vous montrerai un nouveau truc aussi avec les bottes de Pégase qu'on peut faire. On verra, il y a plein de trucs, hein. On peut vraiment faire plein de trucs. Tu me veux cet enfant? Ah, promis, il faut que j'arrête là. Je veux vraiment quitter cet épisode. Ah, mais j'y arrive pas en fait. J'aime vraiment trop ce jeu, hein. Ah oui, voilà, là le nénuphar que je vous disais pour atteindre l'autre trou qui est là-bas. Ah, le facteur, si je peux avoir vite. Ah oui. Par contre, je vais faire absolument l'échange maintenant. Ok. Et lui, vous allez voir, j'irai du coup l'acheter direct. Alors là, je vais le faire là. J'aimerais bien me rendre encore plus utile. J'ai une idée. Je vais demander à Maître Teshin d'écrire une revue. On n'aurait plus rien à craindre des monstres, on devenait tous forts. Ça me donnait beaucoup de boulot. Je vais demander à Mail de m'aider. Le mec, il s'appelle Mail. Vous n'allez pas me dire. Un Mail qui travaillait à la poste. Ok. Donc l'échange que je voulais a été fait. Je voulais un autre truc. C'est. Est-ce que je peux acheter voilà un carquois plus grand. Un grand carquois pour 600 rubis. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas grave, j'ai assez. Voilà, j'étais riche. Mais ça, c'était avant. Et voilà, donc on aura plein de trucs à faire, comme là par exemple. Je peux retourner ça, enfin j'ai discuté avec le chien, les flammes de la cheminée, je peux les éteindre. En entrant dans la cheminée, je peux ressortir sur le toit. Pour atteindre cette maison, en sortant là, du coup je pourrais monter là, passer ici. Et ça me servira plus tard pour une quête, enfin pour l'histoire. Pour l'instant ça me sert pas en fait de faire ça, mais ça me servira pour l'histoire. Toi aussi, là faut que je retrouve toutes les poules pour elle. Non, pas maintenant. Je ferai ça au prochain épisode, voilà. On fera ça au prochain épisode. Du coup, je vais vous laisser là. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pas mal avancé, on aura plein de nouvelles armes. Et donc, voilà. Bon, mais du coup, je vous dis à vendredi pour de l'annexe. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien.